Mercredi 15 février, M6 proposera une soirée souvenir pour célébrer les 20 ans de la nouvelle star. À cette occasion, Cindy Sanader est revenue sur sa mauvaise expérience au sein du télécrochet. La chanteuse a notamment regretté cette étiquette qui bloque sa carrière en France. La nouvelle star fête ses 20 ans. Le célèbre télécrochet, qui a révélé de nombreux artistes comme Amel Bent, Julien Doré ou encore Christophe Willem, reviendra mercredi 15 février sur M6 pour un prime souvenir. Accompagnés des jurés emblématiques de l'émission, les anciens candidats viendront partager leurs souvenirs et reprendre les tubes qui les ont fait connaître. Les téléspectateurs retrouveront notamment Steve Estatoff, Thierry Amiel, Myriam Abel, Florian, Pierre, Cindy, Bruno, Gaëtan, Benjamin Sixou, Saône, Amandine Bourgeois, Icar ou encore Gaël Faure. Pour célébrer les 20 ans de l'émission, Julien Doré, vainqueur de la 7e saison, s'est même amusé à rejouer son audition qui avait très mal commencé. Venu avec son ukulélé, Marianne James va alors lui demander de chanter sans son instrument. Le chanteur décide de s'en aller, avant d'être rattrapé in extremis par Virginie et Fira. À l'issue de son audition, il repartira avec 4 oui et sa victoire lancera sa carrière. Les 20 ans du programme ne changent rien à ma vie. Mardi 14 février, Cindy Sanader, la candidate malheureuse de la 6e saison de La Nouvelle Star, est revenue sur sa mauvaise expérience au sein du télécrochet lors d'un entretien accordé à Gala. La Nouvelle Star fait partie du passé, si est-il déjà bien loin. Les 20 ans du programme ne changent rien à ma vie, ni à mes projets. Ce ne me tient pas particulièrement à cœur, a-t-elle confié sans langue de bois. 15 ans après son audition qui avait créé le buzz, elle déplore cette étiquette qui bloque sa carrière. Ça me rend un peu triste de me dire qu'en France, les producteurs ou les managers font encore référence à ça. Grâce à Thierry Mugler, beaucoup de gens ont changé d'avis et m'ont présenté leurs excuses pour m'avoir jugé et critiqué trop vite. Ce qui m'embête, si est-il qu'en France, on ne parle pas assez de l'artiste que je suis et de ce que j'ai déjà fait. Alors qu'à l'étranger, les producteurs savent que j'ai fait une nouvelle star, mais je suis jugé pour l'artiste que je suis, a-t-elle expliqué. Aujourd'hui, l'interprète du titre Papillon de Lumière continue son chemin dans l'industrie musicale.